il faut s'alerter si on a des douleurs très très fortes pendant les règles. Il y a un autre symptôme que tu as évoqué, les douleurs pendant les rapports. Si les rapports sont douloureux au point que l'on doive arrêter, interrompre le rapport, c'est pas normal. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est pas normal. Donc ce sont ceux-là les symptômes de l'endométriose. La douleur pendant les règles, la douleur pendant les rapports, l'infertilité plus tard. Et puis après, il peut y avoir tout un tas d'autres phénomènes qui viennent se greffer. On peut avoir ce qu'on appelle des troubles urinaires ou digestifs. Ça veut dire qu'on peut avoir très mal au ventre quand on va aux toilettes. On peut aller faire pipi très souvent. On peut croire qu'on a une infection urinaire. Mais en fait, quand on fait les examens, il n'y a pas de bactéries. Et ça, c'est parce que c'est l'endométriose qui vient irriter la vessie, par exemple, ou les intestins. Donc effectivement, tout ça, c'est des symptômes mis bout à bout. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, si vraiment on ne vous prend pas au sérieux et malgré vraiment il y a un réel mal, eh ben, il faut vraiment demander à vos parents, dans ce cas-là, de changer de médecin et d'avoir un autre avis. Et j'en ai fait quatre médecins avant qu'on me prenne au sérieux, donc pendant 7 ans. 4 médecins pendant 7 ans, donc j'ai trop attendu. Et malheureusement, du coup, l'endométriose a trop grandi en moi. Donc n'attendez pas en fait que l'endométriose prenne une forme grave. Prenez-la dès le départ et dès les premières douleurs, en fait, faut la prendre cette maladie. Parce qu'après, sinon, ça engendre beaucoup de problèmes. Du coup, l'exemple de ma tante, c'est après la ménopause. Donc, comme quoi, on dit qu'avec la ménopause, souvent les choses s'arrangent. Elle, comme quoi, en fait, elle a tellement laissé, finalement, elle était dans l'errance médicale, elle a tellement laissé la maladie grandir en elle que c'est une catastrophe. Il va te poser toutes les questions. Est-ce que tu as mal? À quel moment? À quelle force tu as mal? À quelle force tu as mal, voilà. Et puis, il va... Est-ce que tu as mal pendant les rapports? Est-ce que tu as mal quand tu vas à la selle et tout ça? Il va prendre toutes ces questions-là. Et puis, déjà, ça va lui donner une idée. Peut-être il trouvera quelque chose. Peut-être il ne trouvera rien. Donc, dans ce cas-là, il faut peut-être aller en profondeur. Donc, aller chercher sur un IRM. Ou, ça, c'est pour voir les lésions. Et c'est un examen qui est très, très important. Parce qu'en fait, moi, c'est cet examen-là qui a permis de voir que j'avais à l'époque... des nodules sur les intestins, et c'est très très grave en fait. Action. Non, tu sais, je prends un jambon. Non, non, pas action. Dans 2 secondes, allez, courage. Et action. Non, tu sais, je prends un jambon. L'endométriose peut s'initier dans le couple. Ouais, on va regarder ensemble.